Je suis encore en Afrique. Pendant que nous sommes en train de parler ici, Papa Alain, je vois le Rwanda. Le Rwanda. Le Rwanda. Le Rwanda. Je vois un militaire. Un militaire. Qui va prendre le pouvoir. Parce que je suis en train de voir que le trône est vide. Le Rwanda actuellement passe, je dirais, c'est un moment de transition. Je vois, il n'y a personne sur le siège, sur le trône, il n'y a personne. Mais retenez ce message. Celui qui va remplacer celui qui est au pouvoir au Rwanda va le remplacer dans les jours à venir. Je vais donner beaucoup de précisions, mais c'est un militaire qui n'est pas dans l'armée, mais qui était dans l'armée, qui a été mis à l'écart, qui a été écarté. Retraité. Voilà. Un militaire retraité. Mmh. Oui, oui. C'est un général. Il va prendre le pouvoir. Et lorsqu'il va prendre le pouvoir, on va acquiser la RDC. Le Rwanda va crier. On va accuser la RDC d'être en connivence avec ces généraux-là. Des suites de tout ce qui s'est passé, ils vont croire que c'est la RDC qui a manipulé les généraux et tout, et qu'on a monté, parce que ce ne sera pas par la voie des urnes. Les généraux que je vois, il va prendre le pouvoir au Rwanda, mais je dirais que c'est un coup d'État, mais parce que ce n'est pas par la voie des urnes. Et je vis ça dans mon esprit, mais pendant que je suis en train de parler, il y a des choses qui vont se passer de ce côté-là. Je suis encore en Afrique. Pendant que nous sommes en train de parler ici, Papa Alain, je vois le Rwanda. Le Rwanda. Le Rwanda. Le Rwanda. Je vois un militaire. Un militaire. Qui va prendre le pouvoir. Parce que je suis en train de voir que le trône est vide. Le Rwanda actuellement passe, je dirais, c'est un moment de transition. Je vois, il n'y a personne sur le siège, sur le trône, il n'y a personne. Mais retenez ce message. Celui qui va remplacer celui qui est au pouvoir au Rwanda va le remplacer. Dans les jours à venir, je vais donner beaucoup de précisions, mais c'est un militaire. Un militaire qui n'est pas dans l'armée, mais qui était dans l'armée, qui a été mis à l'écart, qui a été écarté. Retraité. Voilà. Un militaire retraité. Mmh. Oui, oui. C'est un général. Il va prendre le pouvoir. Et lorsqu'il va prendre le pouvoir, on va accuser la RDC. Le Rwanda va crier. On va accuser la RDC d'être en connivence avec ces généraux-là. Des suites de tout ce qui s'est passé, ils vont croire que c'est la RDC qui a manipulé les généraux et tout, et qu'on a monté, parce que ce ne sera pas par la voie des urnes. Les généraux que je vois, il va prendre le pouvoir au Rwanda, mais je dirais que c'est un coup d'État, mais parce que ce n'est pas par la voie des urnes. Et je vis ça dans mon esprit, mais pendant que je suis en train de parler, il y a des choses qui vont se passer de ce côté-là. Shalom, shalom, je vous salue tous au nom de Jésus, c'est la prophétesse Esther Emmanuel. La nuit est tombée, Seigneur, reste avec moi. La nuit est tombée, l'homme de Galilée, reste avec moi. La nuit, là, c'est quoi? C'est tes problèmes, tes situations difficiles. Moli le koti na vina yo, nzamba zala na yo, atika la na yo. Mabe koti na santé na yo, mais nzamba zala na yo. Moli le koti o lembi o komi na suka. Mais le Seigneur doit être avec toi. Ça veut dire que la nuit est tombée, Seigneur, reste avec moi. Dans la situation là où je me trouve, je suis arrivé au bout de ma vie. Mais l'Éternel Dieu des armées reste avec moi. Je suis arrivé au bout. Je ne sais plus quoi faire. Seigneur, na situation nanga nazo kokalisu soute. Je suis arrivé au bout. Fils de l'homme, reste avec moi. Les médecins ont dit que je suis se
positive. Seigneur, reste avec moi. Parce que si tu restes avec moi, j'aurai la solution. Les gens, les médecins ont dit que j'ai le cancer. Seigneur, malgré la maladie, ils ont dit, mais si je suis avec toi, si tu restes avec moi, je trouverai la guérison. Et Éternel des armées, mon mari que j'aime beaucoup est parti. Seigneur, même s'il est parti, le consolateur, c'est toi. Reste avec moi. Balobi nanga que je suis stérile, je ne peux pas enfanter. Éternel des armées, malgré cela, tu es capable de me donner des enfants, même si je n'ai pas de trompe. La nuit est tombée, Seigneur, reste avec moi. Je n'ai plus d'argent, mais moi je sais que l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Nzamba futaka, ce qui n'a qu'au bangaye. Seigneur, reste avec moi, parce que je sais que si tu es avec moi, situation n'a qu'au changer. Si tu es avec moi, n'a qu'au koma mout mon sousou. Si tu es avec moi, je veux témoigner. Si tu es avec moi, je veux passer de victoire en victoire, c'est ça. La nuit est tombée, Seigneur, reste avec moi. Il y a un sujet qu'on ne parle pas. Quand tu vas tomber dans l'impudicité, tu commences à prier comme ci, comme ça. Non, Seigneur, je suis tombé, je reconnais. Même si je suis tombé dans l'impudicité, Seigneur, ne tombe pas, reste avec moi. Avec une bonne repentance, Seigneur, aide-moi à ne plus tomber. C'est ça en vérité. Tu dois renouveler ton intelligence. Seigneur, reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi. Moli les côtés, j'ai souillé ton temple. Dans l'impudicité, tu tombes et tu tombes encore enceinte. Seigneur, reste avec moi. Tu vas avorter. Après avoir avorté, tu ne sais plus dire, Seigneur, déjà tu as péché au soumouki, au lieu de garder moi, au lieu de garder toi, que ce soit quoi avorter. Eh bien aimé, ma soumou. Malgré wana, Seigneur, reste avec moi. Tu vas prier, c'est comme si, comme tu vas commencer à prier, le Seigneur va te pardonner. Beaucoup de femmes ont avorté, ils ne prient plus. Olongola basé mebele, okoma kaka soni, okoma non. Nzamba boya mutu tezonga, c'est la repentance. Na mwa bewana salité koti molili, tu reconnais. Seigneur, je reconnais que je trébuchais. Seigneur, reste avec moi. Reste avec moi. Reste avec moi. Seigneur, j'ai fait le mal. Je fais ceci. Tu commences, Seigneur, Molili les akaka difficulté té ma soumou na biso peto salaka trop. C'est aussi le ténèbre. Malgré cela, repentance, reste avec moi. Ne m'abandonne pas, reste avec moi. Reste avec moi dans la situation où je me trouve. Seigneur, reste avec moi, c'est ça. Que personne te trompe, Dieu est un père. Dieu n'est pas comme les gens nous disent là. Non, Dieu est un père. Hein? Donc quand tu te lèves, tu pries, dans la repentance, il agit. Tu dis, Seigneur, je reconnais. Dès que tu vas commencer à reconnaître, la gloire de Dieu va revenir vers toi. La Bible déclare, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand tu viens, tu te réponds, le Fils de l'homme, il se retourne et il te donne encore sa gloire. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Dans la situation où tu te trouves, la nuit est tombée, le Seigneur reste avec moi. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Je le dis, le Seigneur, écoute-moi bien. Hein? Le Seigneur est avec toi. Dans la situation où tu te trouves, le Seigneur est avec toi. Non, même si le ténèbre est jusqu'à là, le Seigneur est avec toi. Tu pries. Quand plus tu vas prier dans les ténèbres, la prière va augmenter, va commencer à éclairer. La prière Saint-Esprit, vous bandi ko côté, bandi ko opéré, bandi ko façonné, bandi ko longola mabé mwinde ko bota. Le Saint-Esprit les aye moko nzambe. Que mon Dieu vous bénisse, c'est la prophétesse Esther Emmanuel. Bye. Mon âme, bénis le Seigneur, car sa miséricorde dure à jamais. Nanga na yonde na tende likia Yahweh Oza nzambe nanga Oza musungi nanga na yonde na tende likia.
yonge nyoso yanga Talela de nani na yo yo basundola pe babwaka na maiye na solo kali sungi na nyako binisanga na solo kali sungi ye ngaye oh ngaye Shalom Bananzambe, Shalom enfant de Dieu, opération Tangisa Mwanamoko. Aujourd'hui c'est déjà septembre, nous sommes le 1er septembre. Tout parent responsable se tape déjà la tête. Nengeni nyotinda banana na kelasi. Yeba ke yoza parents a vivant, ozo kanisa banana yo, mais apena bana misusu bazana posa okende kelasi, mais ma parent bazali susute. Tangisa orphelin moko, Nzambe akozangisa te ko pambola yo. On le fait ensemble en association avec la fondation Alain Dele au cœur de la nation. Donc to simbana to sungana zoata deux ou trois enfants oyo botite salango na kombwa Yesu Masia au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est le père des orphelins a ozanga te ko kanisela yo. Que Dieu te bénisse ko négliger liloba oyo te. Tchango na misala, sunga orphelin moko. Nzamba pambola biso. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Une des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Wow! Non loin du centre de ville Maluku. Un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le site Vodacom, le Vodacom, et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin de, parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40 Toronto City. Waouh, les quatre qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa.